L'opportunité d'être con un grand artiste ici, en Radio Fréquence Paris Pluriel. Yeah. Gracias. Yeah. Escute esse reggae que eu faço nessa canção, a palavra de Jah. Sou bem mulher de pegar macho pelo pé, reencarnação. Bon, Francisco a une nuit difficile aujourd'hui. Mais c'est pas grave, on va faire autrement. C'est comme ça ici. C'est la vie, hein. On va trouver la bonne musique, mais en attendant, on va bouleverser tout le programme comme ça, d'un seul coup de baguette magique. Et Lika, qui s'impatiente, parce que je sais qu'elle veut jouer. Voix et percussion symphonique. Et c'était sans guitare, sans piano. Hein. C'était très bien. Et... Donc pas d'instrument harmonique, c'est ça, juste la voix. Oui, mais les percussions symphoniques ont un clang. Parce que bon, c'est marimba, c'est Thibault Lambert, c'est un univers... moi, c'est étonnant, hein, parce que il a une résonance très, très, très jolie. C'était Fabiana Cosa, donc avec Cosa Feta, il y a eu une... Hein? Oui. Parce qu'on adore, quand les artistes nous livrent comme ça des versions, pas forcément travaillées à l'avance, juste livrées comme ça, avec le cœur et au moment où tu as envie de dire ce que tu veux dire. Ouais. Alors, tu vas nous jouer un morceau. Oui, je voudrais bien commencer parce qu'on a parlé beaucoup de l'interprétation et tout ça et comment est-ce qu'on peut faire une chanson comme on la sent et pas forcément comme elle est généralement jouée. Par exemple, moi, le morceau « Humo » ou « Favela » comme c'est connu, entre les musiciens, pour moi, c'est un blues brésilien. Ce n'est pas vraiment un samba. Et parce que parle du morro, parle de la difficulté de participation sociale que les gens qui n'ont pas d'argent ont, tout à fait au Brésil. Et alors, je commence avec un blues. Le blues qui, généralement, c'est un samba. Mais voilà. Blues samba. O morro não tem vez, e o que ele fez já foi demais. Mas olhem bem vocês, quando derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar. O morro não tem vez, e o que ele fez já foi demais. Mas olhem bem vocês, quando derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar. Morro pede passagem, morro quer se mostrar. Abram alas pro morro, tamborim vai chegar. É um, é dois, é três, é cem, é mil a batucar. O morro não tem vez, mas se derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar. O morro não tem vez e o que ele fez já foi dói demais. O morro não tem vez, mas se derem pés ao morro, toda a cidade vai cantar. O morro não tem vez e o que ele fez já foi demais. Mas olhem bem vocês, quando derem pés ao morro, toda a cidade vai cantar. Morro pede passagem, morro quer se mostrar. Abram alas pro morro, tamborim vai chegar. É 1, é 2, é 3, é 100, é 1000 a batucar. O morro não tem vez, mas se derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar. Mas se derem vez ao morro, toda a cidade vai cantar. Laia, la, laia, laia, na, 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 laia, la, laia, na, laia, na, 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 na. Mas se derem vez ao morro, tidudududam. Yeah. Merci pour cette version samba blues, effectivement, parce qu'il y a eu deux temps différents. Hein. Mais remarquable. C'est ça, c'est ça qu'on parlait, c'est comme on sent la chanson qui... Beaucoup de sambas ont des paroles qui te suggèrent un peu de blues. Et les blues, disons, avec l'influence normalement africaine, du rythme et tout ça, et jouer avec, comme samba, oui. Alors c'est vrai que le blues, on le connaît plus aux États-Unis parce que c'est là qu'il a pris, on va dire, plus de forme, plus de, oui, qu'il s'est plus étendu. C'est effectivement les Africains déportés qui étaient aux États-Unis, qui ont commencé avec des instruments avant, des flûtes par exemple, et puis guitare, banjo, souvent. Oui. Mais c'est les sentiments, le blues, c'est les minor chords, c'est intéressant ça. Et puis il y a souvent la différence d'une demi-note, une demi-note qui manque, c'est le blues. C'est la définition du blues plus fantastique, c'est une demi-note parce que bon, c'est toujours un décalage, c'est un minor. Il y a un temps fort et un temps plus... C'est le blues. Par exemple, le rock, c'est plus le major, non? En tout cas, bravo, cette version, il faut absolument que tu l'enregistres. C'est extraordinaire. Tout à fait. Je l'enregistrerai avec un musicien que tu connais très bien, qui s'appelle Romero Lubambo. On a un album ensemble. Il est un guitariste exceptionnel de nylon. Il joue avec Diane. Il était ici la dernière fois avec Diane Reeves à Paris. Et bon, on a un album qui s'appelle Live in Europe. On a fait un tour ensemble et il y a cette chanson. Et on a eu aussi des gens jeunes qui nous ont copié la version. É coisa de cinéma. Coisa de teatro, coisa de romance inglês, mas eu estou apaixonada. Coisa de mentira, coisa de piada, coisa de novela, mas eu estou apaixonada. Apaixonada, estou apaixonada. Apaixonada, estou. Grâce à toutes les planètes, grâce à Dieu, je sais pas, grâce à cette vie, à cette énergie qui me permet de porter ma musique dans le monde. Parce que je crois vraiment que la musique, c'est un langage qui est vraiment international. Ça n'importe pas. Les paroles, bien sûr, si elles sont comprises, c'est mieux, parce que les paroles ont un poids. Mais la musique, quand même, est une chose internationale qui nous permet de se relationner sans frontières. Oui, et on n'a pas besoin de se parler, on est immédiatement pris par une émotion commune, au même moment. Oui. C'est comme l'amour, ça arrive comme ça, il n'y a pas besoin de parler la même langue, finalement. C'est vrai, on n'a pas besoin de passeport, n'est-ce pas? Non plus. On peut peut être amoureux clandestin. Ah oui, ça, oui. Alors, tu voulais justement continuer pour nous jouer un autre chose ? Oui. Alors, je pensais de jouer une chanson en français, peut-être, que j'ai jouée dernièrement à la Caféothèque. Si je peux dire, j'ai fait une exposition de dessin et peinture à la Caféothèque. C'est à côté de la Cité des Arts. C'est 52 rue de l'Hôtel de Ville. C'est encore en cours actuellement ? Oui, et là, j'ai joué maintenant jusqu'au 1er septembre. À la Caféothèque, à l'Hôtel de Ville, à la, oui, à la Cité des Arts. Oui, la commissaire, c'est Christine Chirouz-Montenegro, et qui a fait aussi la commissaire de la Maison de l'Amérique latine, avec deux expositions que je recommande, sont très bien. C'est du dessin, c'est de la peinture. C'est de la peinture et dessin. J'utilise du papier du Népal et du Japon, et des matériaux organiques, des poudres, des minéraux japonais. C'est Nihonga, que c'est la peinture japonaise traditionnelle. J'utilise ces matériaux-là et un papier complètement naturel, fait à main. Si vous voulez boire un bon café et regarder les tableaux. Mais quand même, j'ai joué là-bas pendant la fête de la musique. On a fait un concert. Et en jouant cette chanson en français, avec le public, tout le monde chantait ensemble. C'était une émotion pas mal. Je voudrais vous jouer. Eh bien, on remet ça, bien sûr. C'est une interprétation tout à fait informelle, tout à fait un peu brésilienne, quoi. Mais on est là pour ça. De Jacques Brel, je me permets, avec tous les erreurs que j'ai à mon français, je m'excuse d'abord. Mais non, c'est nous qui te remercions de t'exprimer dans notre langue ici. Et on est vraiment content que tu puisses nous parler en français. Merci beaucoup. Merci. Alors, j'espère que tu ne me quittes pas. Ne me quitte pas, faut oublier, tout peut s'oublier. Il suffit déjà, vient le temps de malentendu, le temps perdu, à savoir comment il se fait parfois. De pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. De belles de pluie, venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera loi, où l'amour sera roi, où tu seras reine. Ne me quitte pas. Vanterai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embrasser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. L'ancien volcan qu'on croyait trop vieux, il est, paraît-il, de terre brûlée, dans un pluie de bleu, qu'un meilleur avril. Et quand vient le soir, pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne se poussent-ils pas? quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je ne veux plus pleurer, je ne veux plus parler. Je me cacherai là de regarder, danser, sourire, à t'écouter, chanter puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Oh, merci beaucoup, Lika. Quelle version! Ah, pardon! Quelle version! Merci, fantastique, merci. Énergique, enlevée, magnifique. Je te remercie. Non, c'est parce que, bon, c'est une chanson de Jacques Brel qui. C'est fantastique. Ça dit beaucoup. Et comment. On a fait, par exemple, le humor en samba et en blues. Ça aussi, il y a une tension dramatique au-dedans des paroles et de l'harmonie de la chanson qui est, te suggère la création d'une version pour les rendre... Oui, et puis dans la vraie beau, vie... Mais elle est beau, la chanson, voilà. Même. Et c'est un moment... toujours particulièrement émouvant. On est à Bahia, l'autre est à Paris, l'autre est je ne sais pas où, mais c'est ça, c'est la chanson. Mais tu n'es pas toute seule, tu es en direct sur Décalage Horaire. Ah ben oui, je suis en direct à Décalage Horaire avec Stéphane et Juanito. Exactement, et nous sommes donc sur le 106.3, vous pouvez également nous écouter sur www.rfpp.net. Et puis à la suite de l'émission, celle-ci est mise en ligne pour écoute à l'envie, à la demande, sur www.mixcloud.com/décalagehoraire. Mais tout ça... On peut, les gens au Brésil... Je te donnerai tous les détails, tu verras, tu pourras partager avec tout le monde. Alors les bêtises que j'ai dit. Pendant que tu étais seul, Tavasso... mais en même temps connecté partout et puis oui. En contact avec tellement de parties du monde. Alors ça t'a inspiré, on est curieux d'écouter. Ah oui, ok, c'est pas une chanson triste tout à fait, c'est seulement la réalité. Hein. Oh oh, accordé, t'as pas ça. Papaya papodei, papaya papodei, dom 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 dom, papaya papodei, papaya papodei, dei, papaya papodei, papaya papodei, dom dom dom. Acordei tava só 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 só. Acordei só, 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 só. Eu pensava em você, só, 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 só. Acordei e tava só, 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 só. Quando a gente vai se ver, baby? Você na China e eu nas ruas do Rio. Só, 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 só. Quando a gente vai se ver, baby? Você na esquina de Copacabana, eu em Maputo comendo banana. E só, 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 só. Acordei, tava só, 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 só. Te escrevi só pra dizer só, 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 só. Quando a gente vai se ver, baby? Você nas ruas de Londres e eu nas ruas do Rio. Só, 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 só. Acordei, tava só, baby? Só, 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 só. Só, 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 só. Quando a gente vai se ver, baby? Você na Bahia de todos os santos, eu em Veneza de todas as águas. Você num trem bala Japão e Dublin, eu em São Paulo cinzenta de um cinza sem fim, de um cinza sem fim, de um cinza sem fim. Acordei e tava só, 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 só. Te escrevi só pra dizer só, 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 que eu quero é só você, só, 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 só. Acordei e tava só, 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 só. Papai, apapurei, dei. Papai, apapurei, dei. Papai, apapurei, dei. Papai, apapurei, dom, dom, dom. Merci beaucoup Lika Cecato qui est avec nous depuis le début de l'émission et on fait cette... on passe du bon temps ensemble, on discute, on boit un café en même temps. Ça, vous ne le savez pas, mais allez, on vous partage un secret. Nous, on est tranquille, hein, ici, j'espère que chez vous, c'est la même chose. Et c'est un plaisir d'être avec toi, Lika, parce qu'on apprend beaucoup. Et encore, on a presque trop peu de temps, parce que c'est vrai qu'on écoute de la musique. C'est difficile de retranscrire à la radio tout ce qui est visuel, donc tout ce que tu fais et que tu as certainement approfondi comme art au Japon, parce que c'est un pays où l'art de la calligraphie, du dessin est très développé par oui. rapport à d'autres pays. Oui, oui. Pour apprendre déjà la langue, j'ai pas mal de petits cahiers d'annotations, tout complet, de tous les livres que je copiais, parce que, bon, il faut... c'est déjà un exercice pas mal. Le plus difficile, c'est d'apprendre le son et la prononciation, non? Je crois pas, pas pour un musicien. C'est plus difficile l'écriture. Il y a Juanito qui a appris les japonais aussi. Hein, la correspondance en japonais, là, oui, oui. D'ailleurs, il est timide, mais il des parle. Petits morceaux en japonais. Hein. C'est vrai, par exemple. C'est vrai. Moi, j'ai un rap en japonais fait avec le poète Haroldo de Campos, qui est déjà décédé, qui était un des poètes concrets plus incroyables né à São Paulo, les frères de Augusto de Campos. Je peux te faire avec un petit instrument qu'un japonais m'a donné. C'est un peu percussif, je ne sais pas son entend ici. Mais le rap japonais, je l'ai enregistré sur des CD. Un, c'était mon premier CD, Peli, qui était fait... Non, c'était le deuxième CD, qui était fait à Cologne, en Allemagne. Et l'autre, c'est un CD de 50 ans de United Nations, où j'ai représenté le Japon avec le rap japonais. Pardonne-moi, les Japonais. Excellent. Tu veux écouter un petit morceau? Ah bah alors là... Ah ouais. イライラという顔するとき擬態語で言えば楽でしょうウキウキという気持ちになって大和魂が大好きです日本語で丁寧に話すとペラペラという答えなのすみませんがこういう話でめちゃくちゃのような音楽ですNo oceano do céu Ondas de nuvens se elevam O barco da lua, por tantas estrelas, vogando se esconde. Ame no umi, kumono namitachi, tsuki no hune, hoshi no hayashi ni, kogi ga kuru miyo. Voilà. Waouh, alors là. Ça, c'est une première, un rap en japonais dans Décalage Horaire. Ça ne s'est jamais vu. Là, c'est une première. Ah oui, ouh, quel honneur. Merci, en tout cas, pour avoir partagé ça avec nous. Effectivement, c'était le Japan Rap que tu avais enregistré au Dutchville Studio en 1994. Oui. Et donc, il figure sur ce disque « Pele », la peau. Enregistré à cette même période. Il y a le fils de Wilson Simon, elle a enregistré un titre qui s'appelle « Pelle » et aussi très très joli. Ah oui. Je ne sais pas si tu connais. À écouter, mais on ne va pas l'écouter maintenant, on ne l'a pas. Ah ouais. On ne l'a pas dans notre mallette, puisqu'on est en direct et on est pas mal en improvisation aujourd'hui. C'est complètement informel. On s'est connus, on a parlé 5 minutes, 5 longues minutes. À le studio Hermitage, n'est-ce pas? Alors moi, il y a un titre qui m'a interpellé quand même, parce qu'il est suffisamment interpellant, justement. C'est un de tes albums qui s'appelle Ginga Bytes. Ginga Bytes. Ginga Bytes. Ça, c'est intéressant. Le mélange Ginga de l'informatique et oui, de la ginga. Ginga, c'est bon, qui joue la capoeira, c'est très bien que la ginga, c'est un mouvement que ça commence, ça donne le swing du samba, du bossa nova, ça donne le rythme du samba, tout ça. Et oui, la ginga. Oui, la ginga. C'est ce mouvement qu'on ne peut pas décrire en français, hein. Qui part des hanches et qui arrive jusqu'en haut de la tête. Oui, c'est un rythme très, très bougé, quoi, la samba. Est-ce qu'on sert sur un titre? Alors, tu veux, Ginga Bytes, c'est un album que j'ai fait en 2009. Et le dernier, c'était Copacabana. Je peux vous jouer un morceau, Copacabana, si vous n'avez pas là. Et qui on est toujours ravi que tu joues un morceau. Mais c'est pas un samba quand même. Hein. J'ai un samba aussi. Ça s'appelle Viva Vida, qui c'était dans un de ses albums. Qu'est-ce que tu veux écouter? Copacabana ou Viva? Écoute, c'est toi qui as les clés. Ah, c'est toi qui. C'est toi qui. Ah non, c'est pas moi. Toi, tu as les clés. Alors fais-toi plaisir, franchement. Alors. On fait, en effet, c'est bien de parler aussi. C'est, par exemple, avant de jouer un morceau à moi, je pourrais jouer encore quelque chose des autres gens qui, par exemple, très court, que j'adore, qui dernièrement j'écoute beaucoup, c'est Sandra Sa. Oui. Et j'ai joué un petit morceau à elle qui est bien, j'adore. On est tout mélangé, on est tout un peu créole. Nos olhos coloridos me fazem refletir. Eu estou sempre na minha, não posso mais fugir. Meu cabelo enrolado. Você ri da minha roupa. titre magnifique. Merci, merci beaucoup, Lika. Oui, ce titre qui a fait le tour du monde de Sandra Sa. C'est bien, on parlait de ce rythme et tout ça, et il y a pas mal de chansons qui sont composées aujourd'hui, qui sont très jolies à ça. Ça, je trouve d'une force immense. Et ça nous représente aussi. Bom. Sim, longe o que quer e perto não há. Amanhã o que vier tá bom, mas hoje não, não posso pensar. Parar. Meu desejo e fim. Perché si è sempre così, ciò che vogliamo spesso non c'è. Sarà, sarà, e allora sì, ma oggi no, non posso pensare. Che cosa bella. Grazie. Grazie mille, c'est comme ça qu'on dit, je cherchais en italien. Merci beaucoup. Grazie mille pour avoir été avec nous dans l'émission du jour, Lika Cecato. Comme nous en parlions tout à l'heure, ce dernier album qui s'appelle Quiero Querer, je veux vouloir, il est disponible dans toutes les bonnes boutiques. Oui. Et après, elle est sur Spotify, Apple Music, iTunes, tout ça. On peut l'écouter, l'acheter si vous voulez. Bien sûr, want it, ça, you ça get nous it. Permet de faire des autres albums. Exactement. Et comme tu en as parlé juste auparavant, Quiero Querer, qui fait résonance avec là où il y a une volonté, eh bien finalement, il y a toujours un chemin. Where there is a will, there is a way. There is a way. Voilà. En tout cas, c'était un plaisir. Merci encore, Lika, d'avoir été avec nous et de t'être exprimée dans notre langue. Ah non, je veux vous remercier à tous les gens qui écoutent l'émission. Et un grand bonjour et je vous embrasse. C'est une joie incroyable d'être ici avec vous et à Paris. Merci beaucoup de l'invitation. Nous aussi, on vous embrasse et on est obligé de rendre l'antenne parce que le temps passe et que Christian de Villecavelin nous attend pour Allègrement Vôtre en chanson. Évidemment, vous restez à l'écoute du 106.3 car maintenant c'est de la chanson française. Quant à nous, nous nous retrouverons dès dimanche prochain, midi 14h comme d'habitude en direct pour de la musique brésilienne, mais pas que. Alors soyez au rendez-vous, d'ici là portez-vous bien. Ciao, gente.